Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. On va parler lampes de bureau, on va parler Yuzon, on va parler de lampes qui permettent d'insérer un smartphone. Alors que ce soit sous iOS ou Android, vous avez donc un iPhone ou vous avez un smartphone sous Android, Samsung, Huawei et tout ce que vous voulez, eh bien le Yuzon est fait pour vous. Puisque grâce à cette lampe, vous allez avoir des possibilités extrêmes pour faire par exemple des selfies, des vidéos make-up ou toute autre vidéo si vous êtes dans des endroits peu lumineux. Et pourquoi pas ne pas utiliser cette fonctionnalité via par exemple si vous voulez faire de la numérisation dans les endroits sombres. Eh bien le Yuzon portable, on va le déballer ensemble, un petit unboxing sympa. Et je tenais à remercier dans cette vidéo Vincent qui m'a fait, donc il va se reconnaître, il m'a fait donc un don puisque j'avais mis un petit bouton don en haut de ma bannière et Vincent m'a fait un bon don de 10 €. Et franchement Vincent, je te remercie énormément si tu regardes cette vidéo. On va tout de suite donc maintenant passer à l'unboxing de ce Yuzon. Abonnez-vous à la chaîne Vision High Tech si cela n'est pas encore fait et surtout likez, partagez, montrez que votre chaîne préférée est la chaîne Vision High Tech. Voilà, donc on est sur une boîte carrée, marron d'ailleurs, hein, avec en façade une petite photo de Yuzon. Donc comment on va positionner notre smartphone, comment ça se passe. En fait, on va le déballer maintenant. Alors, il y a pas mal de petits ustensiles. On a donc ici le petit pied que l'on va tout de suite déballer. Un pied pliable. On continue le déballage. Oula, il y a du monde dans le carton les gars. Il y a du montage à faire. Le Yuzon portable va améliorer mes vidéos. Voilà pourquoi j'en ai fait l'achat. Voilà pourquoi le don de Vincent va servir à acheter d'autres matériels pour que je puisse vous faire d'autres contenus. Donc voilà, un petit don de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça m'aide à acheter du nouveau matériel. C'est sympathique. Alors ici, on a une tige avec là où on va insérer notre smartphone en général. On continue le déballage. Le Yuzon, vous le trouvez vraiment pas cher. Pour moins de 30 €, vous avez ce genre d'appareil. Et vraiment, ça peut être très simple. Si vous êtes quelqu'un qui aimait la photo, si vous êtes quelqu'un qui fait pas mal de choses au niveau photo. Donc ici, on a une petite pièce métallique avec où on va pouvoir donc visser une caméra, un appareil photo ou un smartphone en général. Alors, on arrive au cercle. Alors, c'est vraiment sympathique hein, puisque regardez, je vous mets ici en très gros. Donc, on a ce cercle qui va nous servir de luminaire. Alors, ça va pouvoir faire lampe de bureau si vous le désirez, si vous filmez des choses sur votre bureau. Vous voulez filmer ou prendre des photos dans des belles conditions, d'avoir une belle luminosité. Avec le Yuzon, cette lampe circulaire, vous allez être capable de pouvoir le faire. Pour l'alimenter, vous allez donc avoir un câble USB équipé lui aussi d'une télécommande. Sur le câble d'ailleurs, vous entendez ici. Donc cette petite télécommande va vous servir à changer la luminosité de votre anneau. Alors en lumière blanche, en lumière froide, en lumière chaude, c'est cette petite télécommande qui va vous donner la possibilité de changer la couleur. Ensuite, on a la petite notice qui va avec, donc pour savoir comment vous en servir, comment le monter. Et puis, on a un petit bouton, donc un petit bouton compatible iOS Android qui permet de lancer la photo à distance. C'est un bouton Bluetooth, on peut voir ici. Ça permet donc de lancer la vidéo ou la photo que l'on soit sous Android ou sous iOS. Voilà, donc on va passer au montage. Donc ici, on a le pied avec un pas de vis. Vous allez pouvoir visser donc votre pied. Voilà, donc ici, le pied est maintenant solidaire avec l'anneau lumineux. Ensuite, vous avez la pièce où on va insérer le smartphone. Elle va aller se visser sur la petite pièce métallique qui tourne dans tous les sens. Donc ici, on va la visser. Et maintenant, on a notre deuxième pièce ici avec un autre pas de vis qu'on va aller visser dans notre anneau. À l'intérieur de l'anneau, vous avez donc un autre pas de vis
Une fois que vous avez vissé votre tige à l'intérieur de l'anneau, on va donc pouvoir insérer le smartphone dans la petite pince adéquate. Ce qui va donner ce genre de lampe, en fait, avec des possibilités donc d'avoir une meilleure luminosité sur votre bureau. On va tout de suite donc la brancher. Alors pour ça, on défait le petit câble. Avec la petite télécommande ici qui est donc sur notre câble de notre lampe, si on l'allume, voilà ce que ça peut donner. Et on peut donc augmenter ou diminuer l'intensité de notre lampe. Donc en couleur chaude ou en couleur froide. Je peux vous dire que ça envoie vraiment du lourd au niveau de la lumière. Donc ça peut vraiment vous aider à faire de meilleures photos en tant que scanner par exemple, ou des photos ou vidéos si vous aimez faire de la photographie ou de la prise vidéo. Donc, trois positions, lumière chaude, lumière froide et lumière blanche. D'ailleurs, on peut même s'apercevoir que sur les boutons de la télécommande, on a donc un bouton spécialement dédié iOS et un bouton spécialement dédié Android. Voilà donc ce que ça peut donner sur un bureau. C'est très sympathique et ça éclaire parfaitement bien le bureau. Ici, vous avez donc sur pied l'anneau, donc l'anneau lumineux. Je vous ai d'ailleurs mis le smartphone devant l'anneau lumineux pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ça se passe. C'est vraiment sympathique et ça donne un superbe bon effet à vos photos et vos vidéos. Donc le Yuzon, une lampe bureau, une lampe qui vous permet donc de faire des selfies, de faire des prises de photos et vidéos avec une très très belle luminosité, donc un très beau rendu de photos et vidéos. Voilà donc pour cette jolie lampe de bureau circulaire. Donc une belle lampe qui peut vous faire gagner donc de la qualité au niveau de vos photos et vidéos. Sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, Facebook, enfin sur tout type de réseau où vous allez vous trouver. Voilà, donc on va passer à un deuxième petit unboxing dans cette vidéo, elle est un peu spéciale. Et vous savez que j'avais lancé un concours pour gagner une montre. Alors j'espère que le petit monde du web qui regarde cette vidéo a gagné donc cette montre. Elle ne sait pas encore peut-être, mais elle va le découvrir dans cette vidéo. D'ailleurs, je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que cette petite montre qui fait podomètre, etc. Donc, mais elle est assez sympathique en termes de design, donc j'espère que ça pourra bien aller. Donc en fait, le petit monde du web a gagné cette montre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisque dans très peu de temps, je vais relancer un petit concours pour un tout nouveau produit. Donc voilà, le petit monde du web qui a gagné ce bracelet, cette montre connectée, compatible iOS, Android. Félicitations à toi, au petit monde du web. Allez, on continue pour l'unboxing et on terminera cette vidéo. Merci déjà de l'avoir regardé jusqu'à maintenant. Donc je vais vous présenter, alors bien sûr, tous les liens seront dans la description. Ici, je vais vous présenter une batterie Powerbank, donc une batterie entièrement compatible, bien sûr, iOS Android, d'appareil qui se connecte à une batterie portable. Et cette batterie est de la marque OK. A-U-K-E-Y, donc de la marque OK. Donc cette batterie est quand même assez spéciale. Déjà, elle a une capacité de 26 500 mAh, ce qui est franchement énorme en termes de batterie. Alors lorsqu'on la sort, elle est déjà mise dans une superbe housse qui la protège. Vous imaginez, si vous êtes un baroudeur comme moi, si vous voyagez régulièrement, si vous partez en vacances, avec cette batterie, vous avez de quoi recharger quand même à peu près pratiquement une bonne dizaine de fois votre iPhone sans avoir besoin d'une prise électrique. On va la déballer vite fait et voir comment cette batterie, quel port elle possède. Donc cette batterie est équipée de la charge rapide pour les appareils qui sont compatibles à charge rapide. Donc elle a deux ports USB 3.0 à vitesse de charge rapide. Sur le dessus, vous avez un petit bouton déclencheur qui va vous permettre donc d'activer
ou désactiver votre batterie. Lorsque votre batterie est chargée à fond, vous avez donc, il vous montre les LED ici que je vous ai mis en gros sur votre écran. Avec la batterie, bien sûr, vous avez le manuel, la notice et la petite carte de garantie. Donc la batterie, vous pouvez la trouver pour une 60aine d'euros. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description si vous voulez en faire l'acquisition. La batterie se charge avec un câble micro USB vers USB. Donc la petite sacoche de transport est très sympa. C'est une ouverture comme pour les lunettes, comme vous savez, on mettait les lunettes, voilà. Et une fois que vous avez donc mis votre batterie dedans, elle est super bien protégée. Ça fait comme de la maille, c'est vraiment super efficace. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision High Tech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à la liker. Merci encore, un grand merci encore à Vincent pour son don. Et un grand bravo au petit monde du web pour avoir gagné la montre connectée. Abonnez-vous donc sur la chaîne Vision High Tech pour les prochains concours. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.